Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane. Je vous fais cette très courte vidéo pour vous donner juste des infos pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux et qui me suivraient que sur YouTube et qui du coup se demanderaient, ça y est, sa résolution de 2024, c'est d'arrêter YouTube. Pas du tout, simplement je suis tombée très malade la veille du réveillon. J'ai passé le réveillon malade, là j'essaie de m'en remettre petit à petit, ça va mieux, donc tout va bien. Mais voilà, j'ai eu 3 jours un peu compliqués. J'avais heureusement les vidéos que j'avais fini d'enregistrer sur Destiny qu'on finit de couvrir la fin d'année, mais j'ai pas du tout pu faire le best-of que je voulais vous faire de l'année, qui est quelque chose qui est un travail qui prend du temps et du coup j'ai absolument pas pu puisque j'ai commencé à être malade quelques jours avant le réveillon. Hein. Donc en termes d'énergie, forcément c'était plus compliqué. Donc je pense que je vais quand même vous faire ce best-of sur la semaine à venir. Je sais pas si ça tient le coup. Si vous pensez que c'est bizarre de sortir un best-of une semaine après le nouvel an, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir vous le faire quand même, même si j'étais malade. Donc ce serait dommage, je pense, de passer à côté, surtout qu'il y a eu la nouvelle fonctionnalité qui permet de garder des clips, de les mettre à la une sur Twitch, qui m'aide beaucoup pour faire ce genre de best-of. Donc ça peut être pas mal. En tout cas, je vous souhaite bien sûr à tous une bonne année 2024, bien sûr, que la santé soit avec vous, que la réussite soit avec vous dans vos projets. J'espère que vous allez passer une excellente année. On va pouvoir partager plein de jeux aussi, bien entendu, ça j'en doute pas, parce qu'il y a énormément de jeux qui m'intéressent cette année. Vous le savez, si vous avez suivi avec moi, on suit à chaque fois hein, les Game Awards, tout ça ensemble, en live, et à chaque fois je me hype pour 1 milliard de trucs, donc sachez que je serai au rendez-vous, bien entendu. Si jamais vous vous demandez si je vais traiter un jeu, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je lis toujours tous les commentaires, ça fait 10 ans que je lis tous les commentaires, donc demandez-moi, je vous répondrai oui ou non, tout simplement, comme ça, ou peut-être, comme ça vous saurez, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. J'ai aussi un peu de retard dans les rediffs, j'ai beaucoup de rediffs de puzzle game que j'ai pas encore mises, il y a la rediff de Croptin aussi qu'on a fait récemment, que j'ai pas encore eu le temps du coup de monter, je vous mettrai ça. Voilà, donc le best-of, Croptin, et puis après on verra bien entendu. Le mois de janvier est assez calme, donc je vais pouvoir finir quelques trucs, je vais pouvoir retourner peut-être sur Starfield, ça fait quelques temps que je vais y retourner, et j'ai pas eu le temps de continuer mon let's play, j'ai très envie. Fallout 4 que vous avez vu passer dans cette vidéo, et bien bien sûr j'ai envie de continuer aussi mon let's play en survie. Avatar, j'ai eu des soucis en fait, le jeu crash depuis la version 1.0.2, je suis pas toute seul dans ce cas-là. Sur Reddit, il y a tout un thread avec plein de gens, donc j'attends tout simplement une nouvelle version qui ferait qu'il cracherait pas, parce que j'ai adoré le jeu, mais malheureusement je peux pas continuer le let's play. Donc voilà, ça va suivre son cours, et puis bah, bien sûr, février sera un mois très chargé. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une bonne année 2024, je voulais vous tenir au courant, et puis on se dit à très vite quand ça ira mieux.